Et aussi ce que vous devez comprendre. What also you should understand. Que le Seigneur a fait toutes choses par sa parole. That the Lord made everything by his word. Pour dire tout simplement que la parole cache la puissance et la force de Dieu. That is to tell you that the world hides the power of our God. Il n'y a pas la visitation du Seigneur s'il n'y a pas le pain. There is no the visitation of the Lord if there is no bread. Dans le livre des Rites, chapitre 1er, le verset 6. In the book of Ruth, chapter 1, verse 6, there. Naomi était au courant que le Seigneur avait visité son peuple. Naomi was aware that the Lord had visited his people. Mais dans cette écriture, la visitation de l'Éternel, c'était la présence du pain. But according to that scripture, the visitation of the Lord was presented by the bread. Alors Jésus-Christ dit, je suis le pain. And Jesus Christ, when he came, he said that I am the bread. En d'autres termes, Jésus-Christ qui est la parole c'est le pain. Ah, in other way, to me, Jesus Christ who is the word, and it means the word is the bread. Et c'est par ce pain de la parole que le Seigneur visite son peuple. It is by the it is through that bread that the Lord visits his people. Et si tu crois ce soir à cette parole, le Seigneur te visitera. And if you believe in that word tonight, that means the Lord shall visit you. Il n'y a aucun autre moyen que le Seigneur peut te visiter si ce n'est dans sa parole. There is no any other way the Lord shall visit you except in the word. Maintenant, remarquons dans cette écriture. Now let us understand in this scripture. Nous avons premièrement un vase d'huile. We have first of all a bottle of oil. Ce vase d'huile qui est dans la maison. That bottle of oil is in the house. Et il y a d'autres vases qui sont vides. And there are other vessels which are mais empty. Ce vase se trouve dehors. But those vessels were out. Parmi les voisins. Ah, in the neighbor's house. Mais il fallait qu'on prenne ce vase-là. Now they needed to take those vessels. Et une question aussi que nous sommes en train de nous poser. And there we should ask ourselves a question. Quel a été le nombre de ces vases vides qui étaient dehors? How many? What was the numbers of those vessels which were outside? Parce que ce soir nous allons donner le nombre de ces vases vides qui étaient dehors. Because tonight we are going to give the number of the vessels which were outside. Et ces vases qui étaient pleins. And the bottle which was filled devait remplir d'autres vases should had a mission to fill other vessels pour libérer les deux fils qui étaient dans l'esclavagisme. For it to free, to give freedom to those two sons who were about to go, who are going into slavery. Je crois que ce soir, I believe tonight, deux fils seront libérés. That two sons shall be set free. Parce que la présence du vase d'huile, because the presence of the bottle of oil, doit libérer les fils qui est dans l'esclavage. Shall bring freedom to those two sons who were in slavery. Je me rappelle d'une chose. I remember something. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 30 le verset 1er. I'm in the book of Genesis chapter 30 verse 1. Il y a une femme, c'est Rachel. There was a lady, a woman, Rachel. Cette femme avait trouvé son mari Jacob. That woman found her husband Jacob. Il dira à Jacob, donne-moi le fils, sinon je vais mourir. She will tell Jacob, give me a son, unless I die. En d'autres termes, si nous entrons dans la pensée de cette écriture. In another way, it means if we go into you go deep in the thought of the scripture. Rachel avait réalisé. Rachel realized that. Si je n'ai pas les fils pour moi, c'est la mort. If I don't have a son for me, it is death. C'est pourquoi l'écriture ajoute. This is what the scripture added somewhere. Celui qui a les fils a la vie. He was the son has life. Le fils symbolise la vie dans les écritures. The son represents life in the pour scriptures. Pour dire tout simplement. Do you want just to say les that? Deux fils de cette femme ici, the two sons of this lady, sont woman, dans l'esclavagisme, who went into slavery, cette femme qui a perdu ses deux fils, that woman was losing her two cette sons, femme avait perdu la vie.
That woman was losing life. Parce que le fils c'est la vie. Because the son represents mais life. Ici la vie répartie en deux portions. But here life is shared in two portions. Maintenant suivez-moi très bien. Now listen to me properly. Parce que nous allons expliquer des choses spirituelles. Because we are going to explain spiritual things. Je vous donne un exemple, une autre écriture. I'm going to give you another example through pour scripture. Pour parler toujours de ces deux fils ici. Just to speak of the two sons. Vous savez Adam. You have Adam. Lorsqu'il a péché, when he had sinned, Adam a perdu deux vies. Adam has lost two lives. Il a perdu premièrement la vie par rapport à l'âme. He had lost first of all life of his soul. Le jour où tu mangeras, tu mourras. God told him that day you shall eat of that fruit, you shall mais die. Mais vous allez voir lorsque Adam a mangé, but you will see that day Adam ate the fruit. La mort par rapport à la chair n'était pas manifestée directement. Death according to the flesh was not manifest instantly. Alors une question se pose. Then there is a question which we should ask ourselves. Est-ce que Dieu s'est trompé? Did God lie? Nous disons loin de là. We say not at all. Nous croyons que par rapport à l'âme. We believe that according to the soul. Adam était mort. Adam was dead. Mais la mort de l'âme. But the death of va soul. Va entraîner plus tard. Shall cause later. La mort du corps. The death of the body. Pour dire Adam est mort deux fois. It means Adam died twice. Il a perdu la vie par rapport à l'âme. He had lost life of the soul. Mais il viendra perdre la vie par rapport and au corps. He was going to lose life according to voilà the body. Voilà pourquoi Jésus-Christ est comme vase d'huile. This is why Jesus Christ as the bottle of oil. L'esprit du Seigneur est sur moi. The spirit of the Lord is in me. He says. Lorsque Jésus-Christ était venu. When Jesus Christ came. Il devait faire deux rédemptions. He needed to do two redemption. Premièrement la rédemption de l'âme. First of all the redemption of our soul. Sauver notre âme. To save our soul. Et après il viendra pour la and then later will come to la redeem our body. Corps. The redemption of our ce body. Sont les deux fils que nous these avons are the two sons we have. Le premier fils comme étant the la mort de l'âme. First son being the soul. Et le deuxième fils comme la mort du and corps. The second son as the flesh. Mais par le vase d'huile. But through the bottle of le oil. Seigneur Jésus Christ. The Lord Jesus Christ. Il faut que les deux fils soient retrouvés. I need those two sons to be set free. C'est pourquoi ce soir. This is why tonight. Je déclare. I'm declaring. Que celui qui est mort par rapport à l'âme. That he was dead. Who is died. He was dead by in his soul. Mort par rapport au péché. If you are dead by sin. Que le Seigneur puisse le guérir au nom de Jésus. Let the Lord let the Lord save you tonight. Et celui aussi qui est mort par rapport au corps. Even he who is dead by the flesh. La maladie. The sickness. Ou le problème qui touche le corps. Whatever touches the body. Et le Seigneur te visite ce let soir the au Lord nom de visit Jésus. You tonight in the name of Jesus. Voilà la mission du vase d'huile. Yes, the mission of the pot of oil. Il doit sauver les deux fils. How to save the two sons. Guérir ton âme. Guérir ton âme, heal your soul, et guérir aussi ton corps, and heal also your body. Maintenant regardons. Now listen. Premièrement, il faut la vase et d'huile. First of all, the bottle should have oil. Et remplir aussi d'autres vases qui étaient vides. And fill also other vessels. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There is nothing new under the sun. Comme dit l'Ecclésiaste 3:15. As Ecclesiastes chapter 3:15. Le Seigneur répète que ce qui est passé. The Lord shall require what has passed. Je suis dans le livre de Nombres chapitre 11. I am in the book of Numbers chapter 11. Le verset 25. Verse 25. Dans cette écriture, on voit un vase d'huile. In that scripture, we see a bottle of oil. C'était Moïse. It was Moses. Le Seigneur l'a donné un esprit. The Lord gave his spirit in cet him. Cet esprit-là, c'était l'huile. The spirit of the Lord in mais Moses Moïse was oil. Moïse devait prendre cet esprit. But God should have taken that oil, il that Holy Spirit. Lui. The spirit which was in him. Le donné à 70 anciens. And gave again to share it with the 70 elders. 70 en d'autres termes, le vase d'huile c'était Moïse. In other way to me, the bottle of oil was Moses. Le vase vide c'était les 70 anciens. And the empty vessel were the 70 elders. Mais il fallait que l'esprit quitte Moïse.
Moïse. But it needed a spiritual change in Moses. Pour aller dans les 70 anciens. To come to the 70 elders. Comme le petit vase qui était. As a small empty vessel. Non, je prends une autre écriture. I'm going to get another scripture. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 40. I am in the book of Exodus chapter 40. Le verset 12 jusqu'au 15e verset. From verse 12 to 15. Là, je vois aussi. Un autre vase d'huile. I'm seeing another bottle of oil. Il s'agit d'Aaron. Ah, it is Aaron. Aaron devait recevoir l'huile. Aaron needed to receive the oil. Mais à côté de lui, il y avait des vases vides. But around him there were empty vessels. C'était ses fils. It was his son. Mais on devait prendre l'huile qui était now sur Aaron. They have to take the oil which was on Aaron. Et le mettre. Et le mettre sur ses fils. And put it in his son. En d'autres termes, Aaron c'est le in vase vide. In another way, Aaron was the vessel mais ses fils of c'était of le vase vide. And his sons were the empty il vessel. Devait être rempli. We need to be filled. Mais tout cela nous sommes dans l'ombre. But all these we are just in the c'était shadow. C'était l'ombre des choses à venir. They were just a shadow of the things to mais come. Mais la réalité c'est en Christ. But the truth of it is in Christ. Raison pour laquelle. This is the reason why. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1. We are in the book of Acts of Apostles chapter 1. Dans cette écriture là, in that scripture, Jésus-Christ est le véritable vase d'huile. Jesus Christ is the true bottle of oil. Mais il dira à ses disciples. And he will tell his disciples. Moi je m'en vais. I'm going. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. But I will send you the Holy Spirit. Mais la condition pour recevoir but the l'Esprit, condition for you to receive the Holy Spirit. Entrez dans la maison. You need first of all to enter allez the great dans house. La you haute. Need to enter into the God upper room. C'est pourquoi les vases devaient entrer dans la this maison. This is why the empty vessel should go pour to the upper recevoir, room. Pour recevoir lui. To receive oil. Si tu es dehors de la maison, if you are out of the house, tu ne vas pas recevoir you will not receive oil. Il faut que tu you need to come first of all. Membre de l'église. You member of the church. Membre du corps du Christ. Member to become member of the body of Christ. Pour recevoir l'onction du maître. For you to receive the anointing of that mais master. Mais si tu n'entres pas dans la maison, because if you don't enter in the house, tu ne deviens pas participant. You cannot be. You cannot participate. Du corps du Christ. You cannot participate in the body of Christ. De l'église. Of the church. Tu ne recevras pas l'huile. You will never receive oil. C'est pourquoi les disciples. This is why the disciples. Devaient d'abord entrer dans la maison. Ah, they have to go. They receive order to enter the house. Devaient d'abord entrer dans la chambre. They should first of all enter the upper room. C'est dans cette chambre là. In that upper room. C'est dans cette maison là. It is in that house. Dans le corps du it Christ. It is in the body of Christ. Dans l'esprit de sang. Then the Holy Spirit came vous down. Vous êtes rempli ce soir. Ah, you want to feel tonight? Je viens par la foi. You need first of all by faith. Membre du corps du to Christ. To become member of the body of Christ. Et tu seras rempli and de son and you will be filled. Il faut que le Seigneur te trouve ah, quelque part. I need the Lord to find you somewhere. Ne sois pas dehors. Not outside. Crois par la parole. You believe in the word. Tu deviendras membre de ce and corps. The Lord shall make you the member of his et body. Tu seras un vase rempli. And you will be a vessel raison, which is filled. Raison pour laquelle? The reason why. Dans cette maison qu'ils étaient. In that house where they were. Comme les vases qui sont entrés dans la as maison. The empty vessel which entered the house. L'esprit était descendu. The Holy Spirit came upon them. L'esprit était descendu. The Holy Spirit came upon them. Et tous étaient remplis. And all of them they were filled. Mais à condition qu'ils soient dans la maison. But the condition is to be in the house. Et le nombre de ces vases là. And the numbers of those vessels. Dans le livre des rois. In the book of kings. On n'a pas précisé le nombre des vases. They didn't mention the number of the vessels. Mais dans le livre des actes des but apôtres. But in the book of Acts of Apostles. Le nombre de vases est connu. The number of the vessels is known. Ils étaient au nombre de 120. They were their number was 120. Le vase vide. Oh, the empty vessel. Était au nombre de 120. They were the number of 120. Ils sont entrés dans la maison. Ah, they entered in the house. Et remplis de l'esprit. And they were filled with the et spirit. Le Seigneur bénisse chacun de vous. May the Lord bless you in the name of Jesus. Non, ça c'est merveilleux. Yeah, that is wonderful. Vous voyez comme je suis en train d'enseigner comme you ça. You see, the way as I'm teaching like this. Il n'y a aucun effort. Je dis que. There is no effort. I'm saying. Dieu a mis l'incorruptibilité et la vie dans sa parole. Ah, I've told you that the Lord has put immortality si and life in his parole, word. If you just believe in this word, un miracle sera signalé dans ta vie. A miracle shall happen in your life. There as I'm preaching.
Si tu crois seulement, if just you believe, Dieu va te visiter. God shall visit you. Dieu va te guérir. God shall heal you. Dieu va te consoler. God shall comfort you. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Shall give you whatever you need. Que le Seigneur bénisse chacun May de the vous. Lord bless each one of us. Regardons un peu ces vases. Look at it now. Look at those vessels now. Comme nous venons de dire, as we have just said, ces vases-là qui avaient l'huile. That bottle, that vessel which had oil, c'était le Seigneur Jésus-Christ. It was the Lord Jesus himself. Mais qui devait prendre l'huile et transmettre But who aux should vases. Have taken that oil and give it, pour it in us. Regardons encore dans les Écritures. Ah, let us look at again in the scripture. Que veut dire huile? What does oil mean? Selon les Écritures. According to the scripture. Selon l'enseignement des prophètes et des apôtres. According to the teaching of the prophets and the apostles. Je suis dans le livre. I am in the book. De Juges chapitre 9. Of Judges chapter 9. Je prends le verset 12. Après on descend. I'm touching the chapter verse 12 downwards. Selon cette écriture. According to that scripture. Les arbres se sont concertés. Trees they gather together. Ils se sont dit. And they gather together and say. Nous devons avoir un chef. We need to have a king. Alors allons chercher un chef. We need to go and look for a king. Les arbres sont allés chercher the un chef. The trees they move around together looking for the king. Mais pour élire un chef, but for them to get a king, il faut qu'on regarde les critères. They have to look at the criteria. On ne choisit pas n'importe quel they chef. They don't just get a king like that. Parce que dans les Écritures, because according to the scripture, un chef, a king, c'est celui qui est capable de résoudre les problèmes. Is the one who is able to solve the problem of people. Celui qui est capable de donner la solution is the one who is able to bring solution to people's problems. C'est ça le véritable chef. That is the real king. Non, je vous donne un exemple. Yeah, I'm going to give you an example. Je suis dans le livre de Jean chapitre 6. I'm in the book of John chapter 6. Le verset 14 à 15. Verse 14 to 15. Jésus-Christ marchait avec la foule. Jesus as he was walking with a crowd. Mais c'était une foule affamée. And it was a crowd which was hungry. La foule avait faim, les gens avaient faim. The crowd was hungry, people. Pourquoi je te dis ce soir Jésus connaît ton problème. This is what I'm telling you that tonight Jesus knows là your problem. Là où tu es affamé, Jésus te connaît. Where you are hungry, Jesus knows. Jésus connaît ton problème. Jesus knows your problem. C'est pourquoi Jésus a dit. This is what Jesus said. Il demande à ses disciples. And he asked his disciples. Mais donnez à ces gens à manger. Give these people food to eat. Les disciples étaient incapables de donner à cette foule. The disciples they were not. They were unable to feed them. Parce que je vois. Because I'm seeing. Parfois tu t'es confié aux hommes. Because you don't. They tell you don't trust men. Tu as cherché le secours ailleurs. Because you went and looked for the help outside. Mais les hommes n'ont pas pu donner solution à ton problème. And people, men never gave solution to your problem. Les disciples ont dit non, toi le maître, donne-nous la solution. The disciples said no, you are the master, give us the answer. Et Jésus a multiplié les pains. And les pains Jesus multiplied the bread pour nourrir la foule. To feed the crowd. Quand les gens ont mangé, when people ate, c'est-à-dire ils avaient un problème. It means they had a problem. Jésus a résolu leur problème. Jesus solved their problem. Les gens se sont accourus. Now people came pour prendre Jésus. Now they have to take Jesus et le faire le roi. And to make him king. Vous voyez? You see? Ce qui a fait. What a cause? Et les gens, people, prennent Jésus comme leur roi. Consider him as a king. C'est parce qu'il a résolu it leur problème. Because he has solved their problem. C'est ça le véritable that chef. That is the real king. Le véritable chef. The real king. C'est celui qui est capable de résoudre ton problème. Is the one who is able to solve people's problem. C'est pourquoi l'écriture dit. This is what the scripture says. Jésus-Christ est le chef de l'église. Jesus Christ is the head of the church. Par là nous comprenons. From there we understand. Jésus est le chef de l'église. That Jesus is the chief of the king of the church. Il doit être capable. He is able de résoudre ton problème. To solve your problem. Même si tu as le sida. Even if you have AIDS. Il est le chef de l'église. Because he is the il king of the church. Il doit être capable de te guérir. He is able to heal you. Tu as un problème. You have a problem. Une difficulté. You have a difficulty. Un souci. You have worry in your heart. Étant le chef. Being the king. Il doit être capable de résoudre ton problème. He must be able to solve your problem. Si tu crois ce soir, if you believe tonight, tu verras la gloire de you Dieu. Will see the glory of God.
Voilà pourquoi ils sont allés chercher le chef. Mais ils ont regardé les critères. But they look at the criterion. Parmi les critères qu'ils cherchaient, among the criterion they have been looking for, il faut que le chef ait l'huile. Ah, it needs so the king to have oil. C'est pourquoi ils sont allés chercher parmi les arbres, l'arbre qu'on appelle l'olivier. This is why they went to seek among the trees a tree which is called olive tree. Comprenez que dans les écritures. Now listen, understand through the scripture. Apocalypse chapitre 11 verset 1 jusqu'au 4. Revelation chapter 1 verse 11 le verset 1er au 4e verset. Revelation chapter 11 from verse 1 up to 4. L'olivier parle de loin de l'Éternel. Ah, the olive tree, olive speaks of the anointed man of God. Et ils sont allés chercher l'olivier. And when they went to look for the olive tree, un arbre qui avait l'huile. It means a tree which had oil. Parce qu'ils ont reconnu. Because they knew. Non, pour que l'homme soit notre chef. They recognized that for us, someone to be our chief. Pour résoudre nos problèmes. For him to be able to solve our problems. Il faut qu'on voie l'huile sur lui. Ah, we need to see first of all anointing on him. Si la personne a l'huile. If the person has anointing, cette personne aussi est capable de résoudre then nos problèmes. That man is able so to solve our problem. C'est lui le véritable chef. Ah, it is him the real king. Mais regardons l'olivier. Now look at now the olive tree. L'olivier dira. The olive tree shall say. Renoncerai-je à mon huile? Ah, should I deny my oil? Qui m'assure les hommages de Dieu? Because it is giving me honor. Et des hommes pour aller planer sur les arbres. Before God, before man, so that I may come and rule you. L'olivier a fui la responsabilité. Ah, olive tree ran away from that responsibility. Non, ce que l'olivier avait fait. No, what olive tree did ce there? N'était pas un hasard. It was not something which was just happened. C'est ce que Jésus-Christ avait fait. Ah, it is what the Lord Jesus Christ did. Parce que Jésus qui était le véritable face de Because Jesus Christ, it is him, the real olive tree. Le véritable olivier. It is him that real pot of oil. Cherché pour le faire roi. When they wanted to make him king, Jésus Christ a fui. Jesus ran away. Pour dire cet olivier là. To say that that olive tree de Jésus Christ was just speaking of the Lord Jesus Christ. Mais il savait. But he knew. Quand est-ce qu'il viendrait régner? That there is a time when il he will come to reign. Accomplir sa mission. He needed first of all to fulfill his mission. Et après il viendra régner. Then after he will come to rule. Que le Seigneur Jésus Christ bénisse May the Lord vie. Jesus Christ bless you tonight. Acclamez pour le Seigneur. Clap your hands for the Lord. Thank you, Apostle. Ah, accent is an amtume. Okay, maintenant regardons. Now listen. Parce que ici c'est le problème d'huile. Ah, because here it's the problem of oil. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. We are in the book of Matthew 25. Là, il s'agit des vierges sages et des vierges folles. Ah, they are speaking of the 10 virgins, 5 wise and 5 foolish. Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus. I don't want to talk much about it now. Juste, je voudrais vous donner la pensée sur But l'huile. I wanted just to give you a thought. Concerning oil. Quand on regarde ces deux vierges, when we look at those two types of virgin, la vierge sage avait l'huile. The wise virgin, they had oil. Par contre, yet la vierge folle n'avait pas l'huile. Ah, the foolish virgin didn't have oil. Maintenant, regardons, il fallait que les maris viennent. Now look at it. Now it was time for the groom. To come. Mais lorsque les maris étaient venus, but when the bridegroom came, le mari cherchera la femme qui a l'huile. The bridegroom was looking for the wife who has oil. Ah, par là je comprends. Ah, there I understand. Si tu n'es pas un vase qui a l'huile, if you are not a vessel which has oil, quand le Seigneur Jésus viendra, when Seigneur the Lord shall come back, he will not take you. Pour que le Seigneur te prenne, for the Lord to take you, il faut que tu sois le vase you qui a l'huile. You need first of all to be a vessel which has oil. Comme la vierge sage avait l'huile. As the wise virgin had oil. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'elle est venue, this is when the Lord came. Le Seigneur a pris que la femme qui avait l'huile. The Lord only took that lady, the virgin which had oil. Là, je prends un autre aspect. Ah, if I look at it another aspect. Je suis dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 27. I'm in the book of 1 John chapter 2, verse 15. Verset 27. Verse 27.
Dans cette écriture, in that scripture, l'onction qui est l'huile, the anointing which is oil, parle de l'enseignement, speaks of teaching, of the teaching. L'onction qui est en vous vous enseigne. Ah, they say the anointing which is in you teaches you. Pour dire tout simplement ici, it means just here, l'onction c'est l'enseignement. Anointing is also the teaching. En parlant nous comprenons. From there we understand. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, when the Lord Jesus Christ shall come, il cherchera les vases qui ont l'enseignement. He will look for the vessel which has the teaching. Qui n'a pas l'enseignement. Those who do not have the true teaching, Jésus Christ ne te prendra jamais. Jesus Christ shall never take you. C'est pourquoi, this is why, dans le livre d'Exode, in the book of Exodus, chapitre 16, chapter 16, verset 32, from verse 32, on prenait un vase, they were taking a vessel, on mettait la manne dans ce vase, they were putting manna, they were filling the manna in that vessel, on mettait le pain dans ce vase, they were filling manna in the vessel, directement le vase devient le vase rempli. There we realize that vessel becomes full. Et comme le vase est rempli, and because the vessel is full, on va of les présenter manna, devant l'Éternel. They are going to present it before the Lord. Présenter le vase devant l'Éternel. Present the vessel ce before the Lord. Ce n'est pas n'importe quel vase. It is not just any other qui vessel. Qui est représenté devant l'Éternel. The vessel which should be presented. C'est le vase qui est rempli. It is the vessel which si is full. Si tu n'es pas rempli, if you are not full, tu ne seras pas présenté you devant l'Éternel. You cannot be presented before the Lord. Oh, il faut que tu sois une femme. You need to be a vessel rempli par la which parole. Is filled by the word of afin the Lord. Que ce jour-là, so that day, when Jesus shall come in the rapture, tu sois présenté devant you l'Éternel. May be taken, be presented to the Lord. Oh, le Seigneur Jésus bénisse may chacun the de Lord vous. Bless you tonight. C'est pourquoi ce soir, this is why tonight, je vous parle. I'm speaking sur to l'importance you. De la connaissance. I'm speaking to you about the importance of the knowledge. L'importance de la parole de Dieu. The importance of the knowledge of the word of God. Regardez quand Jésus-Christ était venu. Look at when the Lord Jesus Christ came. Comme souverain sacrificateur. As the high priest. Jésus-Christ enseignait ses disciples. Jesus was teaching his people. Dans le livre disciples. De Matthieu chapitre 17. In the book of Matthew chapter 17. Le verset 20. Verse 20. Jésus-Christ a prié. Jesus was praying. Soyez attentif ici. Look at here properly. Jésus dira. Jesus said. Père. Father. Je ne prie pas seulement pour ceci. I'm not only praying for this in John 17. Cela, c'était ses disciples. Those ones were just his disciples. Ils sont devenus des apôtres. Who have become the apostles. Mais je prie aussi. But I'm praying pour also. Ceux qui croiront en moi. For those who shall believe in me. Maintenant, regardons comment on croit au Seigneur Jésus. But listen how they believe in the Lord Jesus. Ceux qui croiront en moi. Those who believe in me. Mais par leur enseignement. But by their teaching. En d'autres termes. In other way. Croire en Jésus. Believe in Jesus. C'est croire à l'enseignement des apôtres. It is to believe in the teaching of the apostles. Si tu ne crois pas l'enseignement if des apôtres, you don't believe in the teaching of the apostles, tu n'as jamais cru au Seigneur you Jésus. Have never believed in the Lord Jesus Christ. Je donne une autre écriture. I'm giving you another scripture. Je donne une autre écriture. I'm giving you another scripture. Je suis dans le livre. I'm in the book. De 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset premier jusqu'au troisième from verset. From verse 1 up to 3. Là c'est Paul qui parle. There I'm speaking of brother Paul. Paul dit ceci. Brother Paul says this. Je vous rappelle frère. I'm calling you brother, brethren. La parole que je vous ai enseignée. The word I'm reminding you brethren. The word which I taught you. Par lequel vous êtes sauvés. By which you are saved. Regardons comment on est sauvé. Listen how we are saved. Par lequel vous êtes sauvés. By which we are saved. Si vous le retenez. If you keep it. Tel que je vous l'ai enseigné. As I taught you. En d'autres termes, in another way, sans ajouter ni retrancher, it means without removing, without adding, tel que je vous ai enseigné, as I taught you, là vous serez sauvés, there you shall be saved. Sinon, otherwise, vous avez cru en vain. You have believed in vain. Par là nous comprenons. From there we understand. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en vain. There are many things they have believed in. Many people have beaucoup believed in vain. Beaucoup de gens qui ont cru en vain. Many people there. We believe that it is Paul in vain. Ajoute. Brother Paul added again. 1 Corinthiens 15, le verset 10 à 11. In 1 Corinthians chapter 15, verse 10 to 11. Parce que quelqu'un dirait-il. Because someone can say non, here. Là, c'est Paul qui parle. No, there it is
Paul will say. Mais Paul ajoute. But Paul added. Que ça soit moi, Paul. Even if it is me, Paul. Que ça soit eux. Even if it is them. Et là, c'était Pierre. Them, it means Peter. C'était Jacques. It was John. Ou les autres apôtres. Or other apostles. Regardons ce que nous Listen enseignons. What he says in the book of Galatians. Regardons ce que nous Listen enseignons. What we believe. C'est-à-dire selon Paul. It means according to que Paul. Que ce soit lui. Even if it is et him, les autres apôtres. Or other apostles. Ils avaient un même enseignement. They had only one teaching. Ils avaient un même enseignement. They had the same teaching. Alors si vous ne croyez pas l'enseignement de Paul. If you don't believe the teaching of comprenez Paul. Comprenez que vous n'avez pas cru à l'enseignement de Pierre. Accept that it means you never believed in the teaching of Peter. Comprenez que vous n'avez pas cru à l'enseignement de Matthieu. It means also you never believed in the teaching vous of John. Vous n'avez pas cru à l'enseignement. Oh, it means you have never believed the teaching of the apostles. Vous ne croyez pas l'enseignement des apôtres. Yet if you don't believe in the teaching of the vous apostles, avez crié en vain. You have believed in vain. Que le Seigneur bénisse May chacun the de Lord vous. Bless you so much. Voilà pourquoi. This is why. Le vase rempli. The vessel which was filled. Il doit être présenté devant le Seigneur. Which should have been presented before the Lord. C'est ce vase-là qui est rempli. Those vessels which are filled. Non par le raisonnement des hommes. They are not filled by the man reasoning. Non par la philosophie humaine. It's not by the philosophy of mais people. Mais c'est ce vase-là. By those vessels. Qui est rempli. They are filled. Par l'enseignement des apôtres. By the teaching of the apostles. Que le Seigneur bénisse May chacun de vous. May the Lord bless you. Vous savez dans l'arche. You are in the ark. Là, je suis dans le temps de Noé. There I'm in the time of Noah. Dans l'arche, c'était des hommes mûrs qui sont in entrés. In the ark, it was mature people who entered. Là, c'était des hommes mariés. There were people who were married. Les enfants ne sont pas entrés dans l'arche. Children did not enter. Pour in the ark. Tout simplement. It's just to mean l'enlèvement de l'église. It means the rapture of the church. C'est pour les hommes faits. It is for the mature people. C'est pour les vases remplis. It is for the vessel which are full. Ma prière ce soir. My prayer tonight. Que le Seigneur remplisse chacun de vous. May the Lord fill each one of you. Qu'il vous remplisse de sa May connaissance. May the Lord fill you with His knowledge. Qu'il vous remplisse de son enseignement. May He fill you with His knowledge. Et je crois que dans cette conférence. And I believe in this conference. Le Seigneur vous visitera. God shall visit you. Et le Seigneur vous remplira. And He shall bless you. Acclamez pour le Seigneur. Oh, clap your hands for the Lord. Maintenant regardons. Now look at it properly. Je pense que je n'aurai même pas le temps. I think I won't even have time. De toucher sur l'huile. To touch bon, the anointing nous sommes oil. Encore là, nous toucherons toujours. But since we are there, we shall still speak of je it. Je vous parle maintenant de l'arche. I want to speak now about the ark. L'arche de Noé. The ark of Noah. Parce que les hommes qui sont entrés là. Because the people who entered the ark of Noah. C'était des hommes qui étaient mûrs. They were mature people. C'était des vases qui étaient remplis. They were vessels which were full. Et entrer dans l'arche, c'est l'image aussi. And to get into the ark is also the image of the rapture of the church. Mais je vois encore une pensée. But I'm seeing again another thought. Je vais essayer de faire une broderie là-dessus. I want to do some sewing there. Regardons un peu. Look at it properly. Qui avait formé l'arche? Who made the ark? C'était Noé. It was Noah. C'est pourquoi je pose la question ici. This is why I'm asking a question here. Qui peut me dire Noé avait combien des enfants? Who can tell me that Noah has how many children? Noé, il avait combien de fils? Noé had how many sons? Répondez-moi. But answer me. Un frère courageux, oui. A courageous. Ou une sœur. Non, il faut pas parler. No, don't Noé speak. Noé avait combien Noah de fils? Noah had how many sons? Okay. La sœur a dit three. The sister said three. Yeah. Ok, c'est bon. That's good. Mais je vous informe ce But soir I'm informing you tonight que Noé avait quatre fils. Noah had four sons. Le quatrième fils de Noé, c'était l'arche. The fourth son of Noah was the ark. Oh, n'est-ce pas que Jésus-Christ, c'est que Jésus est venu. Listen, don't you understand that when Jesus Christ came? L'écriture dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10. The scripture says in the book of Hebrews, chapter 10. Le verset 5 à 8. From verse 5 to 8. Tu m'as formé un corps. You made for me a body. Pour dire le Père, c'est celui qui forme. It means the Father is the one who make. Quand Noé, the maker. Quand Noé a formé l'arche. When Noah was making the ark. Noé était devenu le père de l'arche. Noah became the father of the ark.
Et l'arche est devenue le quatrième fils de Noé. And the ark became the fourth son of Noah. Mais c'est Noé qui a formé l'arche. But that same Noah who made the ark, comme le père, as the father, il va entrer dans le fils. He has to enter into the ark, the son. C'est pour accomplir ah, une prophétie. Ah, this is why I'm telling you. C'était pour accomplir une écriture. It was to fulfill a scripture. Que le père est amour. That the father is in me. L'arche c'était l'image de Jésus. The father, the ark was the image et of the Lord Jesus. Le père devait être dans le fils. And the father should have been in the son. Que le Seigneur Jésus-Christ vous May bénisse. May the Lord bless you so much. Maintenant les hommes qui sont entrés dans l'arche. Now the people who enter in the ark. Parce que si tu n'entres pas dans l'arche, tu ne seras pas sauvé. Because if you don't enter in the ark, you'll never be saved. L'arche là c'est la maison. That ark is the house. Le vase doit entrer dans la maison. The ark that the vessel should enter l'arche, the house. L'arche là c'est le corps du Christ. Ah, that ark is the body of Christ. Tous ceux qui sont entrés dans l'arche. Whoever entered in the ark. C'était les vases qui sont entrés dans la just maison. Just the vessel which entered in the ark. Mais vous savez dans cette arche là. But you know in that ark. Ils chantaient un cantique. They were singing a song. Le cantique qu'ils chantaient, the song they were singing in the ark, c'est Isaïe 53, verset 5. It is Isaiah 53, verse 5. Ce cantique-là, that song, qui says, le châtiment qui nous donne la paix est oh, tombé sur toi. The chastisement which gives us peace fall, has fallen on him. Pourquoi? Why? Parce que ceux qui étaient dans l'arche, because those who were in the ark, au lieu qu'ils soient frappés, instead of them being punished, c'était l'arche qui était frappée. But it is the ark which was receiving the judgment of the water. Le Seigneur Jésus-Christ est béni. May the Lord Jesus Christ bless you all. Si tu es dans Jésus-Christ, if you are in the Lord Jesus Christ, que Jésus-Christ a été frappé pour ah, toi. You just believe Jesus Christ was already stricken for you. Le châtiment qui nous donne la paix. Oh, the chastisement which gives us peace. Sur Jésus. It falls on Jesus Christ. Maintenant regardons. Now listen. Il fallait que 40 jours. Ah, they will only spend 40 days. Pour la pluie. It needed 40 days for the rain. Oh, dans le livre de Deutéronome. Ah, in the book of Deuteronomy. Chapitre 25, le verset 3. Chapter 25, verse 3. Lorsqu'une personne était coupable. When a person was guilty. Le nombre de coups qu'on devait l'infliger. The number of cane they should have given him. C'était plus ou moins 40 coups. It was at least 40 times. C'est ça les 40 jours de la pluie. That was the 40 days the rain should have come. Jésus s'est fait coupable pour nous. And Jesus made himself guilty for us. Il fallait plus ou moins 40 coups. And they needed at least to receive 40 jours de la pluie. 40 cane. Mais quand Jésus était frappé, but when Jesus was caned, nous qui sommes en Jésus, who are in Christ, nous disons le châtiment qui nous donne la paix tombe sur toi. We say that punishment, the chastisement would give us peace. Je t'assure, ma sœur. I'm assuring you, my ce sister. Soir, tu n'es plus malade. Tonight, you are no longer sick. Parce que le châtiment qui te donne la paix, because the chastisement which gives you peace, est tombé sur toi, has sur fallen Jésus. On Christ. Ce soir, tonight, tu n'as plus de soucis. You don't need to worry. Parce que le châtiment qui te donne la paix, because what gives you peace, est tombé sur Jésus. Fell on Christ. Maintenant, regardons. Now look at it. Après que l'arche a été frappée, well, because the ark was taken, jour de pluie, ah, on the 40 days of rain, l'arche va se mettre sur le sommet de la montagne. And now that ark has to go and rest on the top of the mountain. C'était le sommet le plus élevé. Ah, that was the highest mountain. Dans les Écritures. On the scripture. Dans les Écritures. In the scripture. La montagne parle du pouvoir, de l'autorité. The mountain speak of authority, of power. Regardons. Now look at. L'arche ne pouvait pas se mettre. The ark could not rest sur le sommet de la montagne qui était bas. On upon a mountain which was very low. Il fallait que l'arche se mette. It needed the ark sur le sommet to de la montagne qui upon était the élevé. Highest mountain. Pour dire après avoir souffert. It means after suffering. Jésus a été élevé. Jesus Christ should be lifted high. Au-dessus de toute autorité. Above all authority. Au-dessus de toute domination. Above all dominion. Au-dessus de toute maladie. Above all sickness. Au-dessus de sida, de cancer. Above all AIDS, cancer. Ça, ce sont des petites montagnes. Those are small, small mountains. Le problème que tu as. But the problem you have. C'est une petite montagne. They are just small mountains. Mais Jésus au-dessus. But Jesus Christ is above. Au-dessus de la grande montagne. Above all those mountains. Et ce soir. Tonight. Jésus Christ. Jesus Christ. Le véritable vase d'huile. The real pot of oil. Should fill you.
va guérir. Heal you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Acclamez pour le Clap Seigneur. Clap your hands for the Lord. On va se lever maintenant Are pour we la prière. Are we able to stand now for the prayer? Et les chants viennent nous entonner un cantique. And the singers should come.